C'est l'histoire de Sacha et Dani qui partagent un appartement en France. Elles ont un voisin, Nico, et un visiteur, Sam, d'Amérique. Les filles aiment bien Sam parce qu'il est... Et Nico aime bien Sam parce qu'il est riche. Sam adore vivre en France. Reste branché pour le prochain épisode de Extra. Grand, beau. Waouh, fantastique. Un nouveau petit copain pour toi, peut-être. Mais ne le dis pas à Sacha. Appelle-moi Sacha. Je dois y aller. À plus tard. Bisous. Est-ce que Sam dort encore? Ouais. Sam, réveille-toi. Allez, lève-toi. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Non, Sam. J'ai un rhume. Oui. Moi aussi. You have a cold. Un rhume. Oui, j'ai un rhume. Oui, nous avons un rhume. Bon, on recommence. Bonjour. Bonjour. J'adore ton pyjama. Merci. Sam, tu nous excuses un moment? Annie, salle de bain. Maintenant. Les vêtements de Sam sont moches. Ils sont tellement démodés. Je sais. Je vais l'emmener faire du shopping. Bonjour. Bonjour. C'est carnaval. Ah, carnaval, oui. Jolie voiture, hein, Sam, hein? Ah. J'ai cette voiture à la maison. Waouh! Tu as cette voiture à la maison? Waouh! Mais les filles doivent être folles de toi! Les filles! Non. Sam, mon pote, écoute. La voiture est cool. Hein? Alors toi aussi, tu dois être top. Tu dois être cool. Je suis top. Je suis cool. Non, désolé. Tu es mal habillé. Oh. Mais je peux t'aider. Mais Sacha, tu es tellement occupé. Je vais l'emmener faire du shopping. Ah, c'est bon. Je vais l'emmener faire du shopping. Non, pas de problème. Je vais l'emmener faire du shopping. Je te dis que je vais l'emmener faire du shopping. Avec les voitures, tu dois être cool. Tout comme moi. J'ai le look... motard. Hé hey, salut les filles. C'est toi, Nico. Salut, Nico. Sam m'a demandé comment il doit s'habiller. Ah, c'est ça, oui. Non, 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 non. Sam, tu n'écoutes pas Nico, tu m'écoutes moi. Ok. Il te faut un look...
tendance. Mais non, Sam, pas ce look-là. Il te faut un look cow-boy. Non, non, une veste en cuir. Une chemise en jean, un bandana et un gilet. Le look motard. Cowboy. Le look tendance. Une veste en le cuir. Le look tendance. Un bandana le et look un gilet. Motard. Cowboy. Une chemise en cuir. Jean. Bandana le et look... chemise en jean. Stop. Ok, ok. I will go shopping. Quoi? Tout seul? Mais tu as besoin de nous. Mais comment? Qu'est-ce que tu vas dire? Avez-vous... C'est bon, laisse-moi faire. Alors, nous sommes dans un magasin. Je vends, tu achètes. Hein? Je suis le vendeur, tu es le client. Le client? Ok, super. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Je voudrais une veste, s'il vous plaît. Non, un pantalon. Je voudrais un pantalon, s'il vous plaît. Oh, je voudrais un pantalon, s'il vous plaît. Bien, très bien. Et des chemises? Non, 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 non. Des chaussures. Je voudrais des chaussures, s'il vous plaît. Oh, je voudrais des chaussures, s'il vous plaît. Et un chapeau pour ma tête. Non! Un chapeau! Ça, c'est un chameau. J'ai dit un chameau pour ma tête. J'ai dit un chameau pour ma tête. Sam, viens faire du shopping avec moi. Ah, ou avec moi. Non, avec moi. C'est mon correspondant. C'est bon. Nous, toi et moi, allons faire du shopping pour Sam. Un petit peu chacun. Je m'occupe des pieds. Je m'occupe des jambes. Je m'occupe des jambes. Je m'occupe du haut. Et je m'occupe des jambes. Bien. Bien. Bon, allons-y. Alors, il nous faut des œufs, des pommes, des boîtes pour le chien. Oh, je ferai ça plus tard, sur l'internet. Œufs, pommes, boîtes pour le chien. Bravo, Sam. Au revoir, Sam. Et surtout... Tu ne réponds pas à la porte. Hein? C'est peut-être la gardienne, hein? Sois sage, hein? Si tu peux. Hein? C'est pas grave. Ciao. Ciao. Mom, guess what? They're gonna dress me like a Frenchman. Mini, les vêtements de Sam sont tellement démodés. J'adore ton pyjama. Mais c'est pas grave. Je vais l'emmener faire du shopping. Oh, il va vraiment être à la mode. Oh. Annie pense que Sam a besoin d'un look cowboy. Ouais, moi je dis qu'il lui faut un look motard, comme moi hier. Yeah. J'ai le look motard. Alors, j'ai décidé que Sacha, Annie et moi allons faire du shopping pour Sam. Un petit peu chacun. Et je m'occupe des pieds, Sacha s'occupe des jambes,
et Annie s'occupe du haut. Yeah, it's called the biker trendy cowboy look, I think. Yeah, I'm gonna look so cool. Très cool. Bonjour, monsieur. Je voudrais un chameau pour ma tête, s'il vous plaît. Ah, un œuf. Je voudrais un œuf pour ma tête, s'il vous plaît. Des pommes. Je voudrais des pommes pour ma tête. Room service? C'est moi, la concierge. La gardienne. Français. pomme, boîte pour chien. Wait a minute. Hi, Annie. Bonjour. Oh. Bonjour, Sam. Tiens, je t'ai acheté ça. Ah, merci. Qu'est-ce que c'est? Essaie-le. Est-ce? Essaie-le. Ah, essaie-le. Thanks. Où est Sam? Dans la salle de bain. Oh, très bien, je vais lui donner ça. Oh, je vais le lui donner. Non, c'est bon, c'est ok. Sam? Hello? J'ai quelque chose pour toi. Oh, bien. Yeah. Entrez. Petite peste. Sam? Sam? Hey! Voici tes vêtements. Tu vas être hyper cool. Cool. Thank you. Jolie pomme de terre. Pomme de terre? Elles viennent d'où? Oh, je crois que Sam a fait du shopping sur Internet. Mais nous ne voulions pas de pommes de terre. Oh, il a fait des efforts. Ah, et il a acheté des œufs. Oh, doué, le Sam. Ouais, juste quelques œufs. Comment est-ce que Sam a fait du shopping sur Internet? Ah. Quoi?
Sam a commandé 6 kilos de pommes de terre au lieu de pommes. Erreur facile à faire. Bon, il a fait des efforts. Oh, oui. Il a fait de gros efforts. Et pour les œufs? Alors, les œufs. Tu achètes une douzaine d'œufs. D'accord. Sam a mis le chiffre 12 ici. Bon, ben c'est bon, là, ça fait une boîte. Non, il a acheté 12 boîtes. 144 œufs au total. Et pour les boîtes pour chiens? On va voir. Ok, I'm ready. Nous sommes prêts. Entre. Ta-da! So, how do I look? Moi, j'aime bien les chaussures. Moi, j'aime bien le sarong. Et moi, j'aime bien la chemise. Alors, je suis cool? Non, je ne suis pas cool. Non. Alors, je fais faire du shopping. C'est reparti. Mais Sam, tu ne peux pas y aller tout seul. Tu as fait des courses sur Internet. Oui. Et tu as acheté des pommes de terre et pas des pommes. Et trop d'œufs. Oh. Tu as déjà été dans un supermarché? Non, mais... Employé. Et eux? Mais... Employé? Ah oui. Je comprends. Oh, and I went shopping today. Me, yeah, I know. Salut Jojo. Quand nous sommes allés acheter des vêtements pour Sam, lui a fait les courses sur le net. Il a acheté 144 œufs, des pommes de terre au lieu de pommes. Tu as fait des courses sur Internet? Oui. Et tu as acheté des pommes de terre et pas des pommes. Et trop d'œufs! Mais qu'est-ce qu'il est bête! A success? Kind of. Apart from getting potatoes instead of apples. And a few too many eggs. Anyway, Nico said it was an easy mistake to make. Allez, viens Sam. Nous avons décidé. Et décidé quoi? On va t'apprendre à faire du shopping. Sacha et moi sommes les vendeuses. Et toi, tu es le client. Ça, je ne dois pas rater. Ok. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider, monsieur? Hein? Qu'est-ce que tu veux acheter? Ah, je voudrais... Des vêtements. Vêtements. Je voudrais des vêtements, s'il vous plaît. Mm-hmm. Quelle taille, monsieur? Taille. Quelle taille? Taille, size. Ah, je ne sais pas. Oh, alors on va te mesurer. Les bras, s'il vous plaît. Bra, I don't wear a bra. Non, 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 les bras, levez les bras, s'il vous plaît. Oh, levez les bras, s'il vous plaît. Poitrine, 98 centimètres. Poitrine, 98 centimètres. Taille. Oh, 86 centimètres. Taille, 86 centimètres. Et longueur de jambe. Je le fais. Non, non, c'est bon. Non, c'est à moi de le faire. Hmm? 87 centimètres. Longueur de jambe, 87 centimètres. Vous aimez ce pantalon?
pantalon. Mmh. Et vous aimez cette chemise? Oui. Très bien. Alors, ça fait 6 000 euros, s'il vous plaît. OK. Hey, Sam, 6 000 euros font à peu près 6 000 $. Ah, vous acceptez les cartes de crédit? C'est beaucoup trop. C'est très cher. Pas pour Sam. Alrighty then. OK, je suis prêt pour aller faire du shopping. Bonne chance. Ouais, bonne chance. Tu vas en avoir besoin. Nico, où est mon citron chaud? Est-ce qu'il y a une autre boîte de mouchoirs, Nico? Mais ça va, hein, c'est bon. Je fais de mon mieux. Oh, ça va vraiment mal. Ah ouais. Nico, la porte, s'il te plaît. Oh, les filles. C'est Sam. So, est-ce que c'est cool? Wow, bravo, tu es super! Je voudrais un pantalon, s'il vous plaît. Excellent! Les fringues sont super! Je voudrais une chemise, s'il vous plaît. Tu es doué, Sam! Tu parles bien le français! Et je voudrais des chaussures, s'il vous plaît. J'ai fait du shopping. J'y vais. Allô? Oh, bonjour. C'est la gardienne. Mm-hmm. Comment allez-vous? Bien, bien. Comment va mon rhume? Comment savez-vous que j'ai un rhume? Oui, un rhume. Achou! Je suis bête, je vous l'ai dit ce matin. Comment? Ah, je ne sais pas, c'est étrange, ça fait beaucoup de boîtes. Je ne sais vraiment pas, je... Oui? Oui, je vais en parler à Annie. Au revoir. La gardienne demande pourquoi il y a 400 boîtes pour chiens dans l'entrée de l'immeuble. Ça. Say hi to Dad for me, Mom. Oh, by the way, do you need any dog food? Dans le prochain épisode de Extra, Annie cherche un copain sur Internet. Nico et Sam cherchent aussi des copines sur Internet. Vont-ils aimer leur nouvelle copine? Ne rate pas cet épisode !